Vous vous demandez comment créer un vision board ou bien un tableau de visualisation de façon digitale? Eh bien, vous êtes au bon endroit car dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer votre tableau de visualisation grâce à Canva et PicDot. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouvez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors, pour nous soutenir et si vous aimez nos vidéos, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, nous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, découvrons ensemble comment vous allez pouvoir créer votre tableau de visualisation de façon digitale. Vous pouvez tout à fait prendre plein de magazines et faire vos petits découpages et tout coller sur ensuite une feuille de papier. C'est complètement possible. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas fan des magazines, que vous n'achetez pas vraiment de magazines, sachez que vous pouvez aussi en créer de façon complètement digitalisée sans devoir passer par le côté vraiment papier, ciseaux, colle, etc. Et c'est super simple à faire. Personnellement, c'est ce que je fais tous les ans et tous les ans, donc je réalise un vision board sur Canva. Ensuite, je l'imprime, je le plastifie et il trône ensuite fièrement sur mon bureau. J'ai exactement le même vision board en fond d'écran d'ordinateur et également en fond d'écran de téléphone. Comme ça, je peux le voir tout le temps. Donc, je vous montrerai également dans ce tutoriel comment utiliser ensuite votre vision board sur votre fond d'écran d'ordinateur et sur votre fond d'écran de téléphone. Alors c'est parti, on va tout de suite démarrer et puis on va aller sur Canva et vous allez pouvoir créer un nouveau design. Et là, vous allez simplement choisir le format A4 et vous allez choisir donc le format paysage. Alors aujourd'hui, vous pouvez réaliser un vision board pour plein de choses. Vous pouvez réaliser un vision board pour votre vision personnelle de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé dans l'année, dans les 3 ans à venir, dans les 5 ans à venir par rapport à votre vie personnelle, ou bien ça peut être un vision board purement professionnel par rapport à votre activité, donc à quoi vous voulez que votre activité ressemble dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça peut être un vision board par rapport à un projet, donc par exemple si vous avez pour projet de créer un membership ou un site de membres, eh bien vous pouvez positionner quelle est votre vision de votre site de membres d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 3 ans, etc. Ou bien ça peut être un mélange de tout ça. Ça peut être un mélange de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, et faire apparaître cela en image sur votre vision board. Donc vraiment, il n'y a pas de règle par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre sur votre vision board. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des dessins, vous pouvez mettre des illustrations. Vous pouvez vraiment mettre plein de choses, il n'y a aucune limite. Donc vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre créativité, laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer et ensuite vous allez pouvoir mettre tout ça sur votre vision. Donc une fois que vous avez ouvert votre format Canva au document A4 paysage, vous allez pouvoir tout de suite le renommer. Donc par exemple, vision board, et puis vous pouvez mettre l'année en cours, donc année 2024, 2025, 2026... Vous mettez l'année en cours. Ensuite, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez faire une collecte de choses que vous aimeriez mettre sur votre vision board. Pour faire cette collecte, vous pouvez tout à fait passer par la base de données de Canva directement, ou bien vous pouvez passer par Pinterest. Donc moi, j'aime bien toujours commencer par la base de données de Canva pour trouver des images qui m'inspirent. Donc ici, on est parti, on va essayer de créer donc un faux vision board, disons un vision board pour mon projet de créer un nouveau site de membres. Disons que je suis professeur de yoga et donc je veux créer un site de membres pour les passionnés de yoga et j'ai envie donc de créer mon vision board qui représenterait donc mon site de membres d'ici 1 an et la vision de ma vie personnelle qui va avec. Donc on va commencer super simple, on va taper un mot-clé, on va taper le mot-clé yoga, et puis je vais aller dans les photos, dans un premier temps, et je vais parcourir les différentes photos, et je vais me laisser porter et inspirer par ce qu'il me plaît. Est-ce qu'il y a des photos qui me parlent? Est-ce qu'il y a des photos qui me font vibrer? Est-ce qu'il y a des photos qui vraiment représentent la vision que j'ai de mon activité et de ma vie pro et perso? Donc voilà, là je peux vraiment les parcourir, et puis ce que je vais commencer à faire, c'est simplement, je vais commencer à cliquer sur des
images qui me parlent et je vais commencer à les ajouter n'importe comment à ma création de Canva. Vraiment, je ne me prends pas la tête pour le moment. On va faire une accumulation d'images. Ensuite, je m'imagine vraiment épanouie, heureuse, libre. Donc, eh ben, on va taper des mots-clés comme épanouie. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, il nous propose des fleurs, pourquoi pas, ça peut résonner. Pour le coup, ça résonne pas vraiment. Ici, il nous propose des recherches associées. Donc ça, ça peut bien vous guider aussi dans votre recherche. Donc, je vais partir par exemple sur réussite et je vais voir ce qu'il nous propose. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, pareil, hein, je vais faire une petite accumulation de petites images qui me parlent. Alors moi, bien sûr, je veux beaucoup, beaucoup d'amour. Donc je vais partir sur le mot-clé amour. Et pareil, on va ajouter des images. Ensuite, quand on a parcouru les photos, qu'on a tapé un peu plein de mots-clés comme ça, on va aller dans les illustrations. Et dans les illustrations, on peut aussi taper les mêmes mots-clés ou on peut partir sur d'autres mots-clés. Donc là, ben, par rapport à l'amour, les petits cœurs, moi comme ça, ça, je les trouve sympas, donc je vais les mettre. Par rapport au yoga aussi, je vais peut-être trouver des illustrations sympas. Donc là, je vais les parcourir. Donc là, on va vraiment faire un travail de recherche d'éléments. On ne se préoccupe pas, pour le moment, on sélectionne juste des éléments qui nous font vibrer. Une fois qu'on a fait un petit peu notre tour sur Canva, eh bien, on peut aller sur Pinterest. Ou vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez commencer par Pinterest et ensuite aller sur Canva. Et sur Pinterest, on va faire en fait exactement la même chose. On va taper des mots-clés. Donc, par exemple, on va taper notre mot-clé et yoga. Et puis, on va voir les images qui apparaissent. Donc là, généralement, ça va être sur Pinterest des images beaucoup plus enchanteresses, si on peut dire ça, et qui vont vraiment plus être beaucoup plus originales, qui vont plus nous inviter au voyage, à l'inspiration. Donc, il y a de fortes chances que vous trouviez bien plus votre bonheur sur Pinterest que sur Canva. Donc, voilà. Cette image, par exemple, elle me plaît bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je fais un clic droit sur mon image, je fais copier l'image, et je reviens ici, sur ma création, et je fais un CTRL-V pour coller mon image. Et ensuite, cette image me plaît, eh bien, je peux défiler et en bas, je vois les autres images similaires. Donc, il y a peut-être des images qui vont plus me parler ou moins me parler. Donc, je peux naviguer comme ça. Et également, ici, ou à un autre endroit, hein, ça changera souvent, mais vous aurez des suggestions d'idées, donc avec d'autres mots-clés. Donc, par exemple, déco pour salle de méditation, donc pourquoi pas. Je vais cliquer dessus et puis je vais voir vers quoi ça m'emmène. Est-ce qu'il y a des images qui vont me parler? Est-ce qu'il y a des choses qui vont résonner en moi? Donc, je vais regarder. Ben, ça, par exemple, j'aime beaucoup. Donc, je fais un petit clic droit. Hop, et je vais venir coller mon image dans ma création. Je regarde les autres suggestions, je regarde également ce qu'il me propose ici comme mots-clés. Et on peut comme ça travailler avec plein de mots-clés différents pour vraiment chercher eh bien, des choses qui nous parlent et qui reflètent notre vision. Alors, par exemple, cette petite illustration, elle me parle bien. J'aime pas trop le contour noir, mais l'illustration, je la trouve jolie. Donc je vais copier cette image et je vais la mettre. Et puis, je vais regarder ce qu'il me propose d'autre en dessous. Qu'est-ce qu'il me parle d'autre? Par exemple, cette illustration aussi me parle beaucoup. Donc, je vais la prendre. Je vais l'ajouter. Hop. Et donc, on va pouvoir vraiment effectuer un travail comme ça. On peut aussi aller un petit peu sur des mots. Donc là, vous l'avez bien compris, il s'agit de faire vraiment une recherche d'éléments qui vous parlent et qui résonnent avec vous. Ne vous limitez pas, vraiment, prenez tout ce qu'il vous parle et mettez-le sur votre vision board. Bien entendu, ce vision board, il a pour objectif d'être uniquement personnel, c'est pour vous uniquement. C'est pour ça que vous avez le droit de prendre des images comme ça de Pinterest, de les copier, de les coller dans votre création Canva. Attention, si vous voulez commercialiser ou communiquer autour de votre vision board, sur les réseaux sociaux ou autres, ça commence à être plus délicat puisque vous n'avez pas les droits d'auteur par rapport à ces créations-là sur Pinterest. Donc faites attention, c'est vraiment pour votre utilisation personnelle que vous faites ces copier-coller depuis Pinterest. N'utilisez pas cette méthode pour utiliser des images que vous trouvez sur Pinterest dans vos posts pour les réseaux sociaux par exemple parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Donc faites bien attention à ça. Mais là, comme c'est vraiment pour votre usage personnel, ce n'est pas gênant.
fois que vous avez ajouté toutes les images qui vous parlaient sur votre feuille Canva, eh bien vous allez faire le tri. Parce que là, vous aurez mis plein de choses, mais vous n'allez pas pouvoir tout mettre. Donc il s'agit de sélectionner uniquement les éléments qui vous parlent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter une page supplémentaire et tous les éléments que vous souhaitez garder, vous allez les faire glisser sur la page d'en dessous. Donc ça, je veux le garder, c'est sûr. Celui-ci aussi, donc je le fais glisser. Celui-ci, je sais aussi que je veux le garder. Celui-ci, j'hésite, je suis pas sûre, donc pour le moment, je vais le pousser et puis on verra tout à l'heure. Pour les bureaux, je sais qu'il y en avait deux. Entre les deux, je préfère celui-ci. Donc celui-là, je le supprime tout de suite. Je me pose même pas plus la question. Et puis on va garder celui-ci. Et donc, il me reste celle-ci. Ce que je peux faire, c'est que je vais la garder, mais je vais simplement rogner les bords noirs qui me gênent un peu. Donc, je vais faire un double clic sur mon image. Et puis là, donc, je vais réduire mon cadre pour vraiment avoir eh bien, juste ma petite illustration et pas les bords noirs. Puis, je fais terminer. Donc là, voilà, j'ai fait ma sélection d'éléments que je souhaite garder. Donc, je vais supprimer ensuite cette page qui ne sert plus à rien. Ce que je vais à présent faire, c'est que je vais les réduire, d'accord? Donc on va vraiment les déplacer, hop, et on va les réduire. L'idée, c'est qu'on puisse tout voir, d'accord? Donc vraiment, on réduit tout, on les pousse à droite, à gauche, en haut, en bas, pour faire en sorte qu'on puisse voir tout ce qu'on a gardé. Donc toutes nos images, tous nos éléments graphiques, etc. Au moment, on s'en fiche hein, de la taille, c'est vraiment pour qu'on ait une vision de tout ce qu'on a gardé. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a. Donc au final, je me rends compte qu'on n'a pas tant d'éléments que ça, que je peux en mettre plus. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer juste ici sur les petites étoiles. Et puis ici, je vais regarder, je vais descendre un tout petit peu et je vais regarder les graphiques adaptés à mon design et les photos adaptées à mon design. Donc je fais afficher tout. Et ici, j'ai une suggestion en fait d'éléments graphiques en lien avec ce que j'ai ici. Donc là, je peux regarder et je peux voir s'il y a des choses qui me parlent, qui résonnent et que j'ai envie finalement d'ajouter. Je recommence en cliquant ici et puis cette fois-ci, donc je vais regarder les photos adaptées. Je vais faire voir tout et puis là, donc, il me propose plusieurs choses et je vais voir qu'est-ce que je peux garder éventuellement. C'est qu'on va rajouter du texte parce que on veut rajouter du texte sur ce vision board, du texte qui n'est pas forcément mis en forme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement appuyer sur la touche T de notre clavier pour ajouter une zone de texte. Et puis, on va écrire une phrase d'inspiration, comme par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait écrire j'attire à moi tout ce dont je rêve. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller choisir une police jolie, hein. Donc là, on peut aller un petit peu s'amuser au niveau de la police, d'aller par exemple dans titrage pour choisir une police un petit peu de titre. Allez, voilà, on va partir sur ça. Okay. Donc voilà, on a tout ce qu'on veut avoir sur notre vision board. Maintenant, il va s'agir de tout déplacer et faire en sorte que ça rentre au niveau de notre page. Donc pour ça, c'est super simple. Je vais commencer par déplacer mes éléments, les grossir, les mettre en forme vraiment sur ma page. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc je vais par exemple commencer par cette image que je vais venir mettre ici en bas dans mon angle. Ce que je vous conseille, c'est toujours de commencer par organiser en partant d'un angle, en haut, en bas, à droite, à gauche, peu importe, mais partez vraiment d'un angle. Hop, et puis on va déplacer nos éléments. Donc là, c'est vraiment à vous de vous amuser avec vos éléments et à les déplacer et à les ajouter. D'accord? Donc là, il y a vraiment rien de bien compliqué. Tout ce qui est un petit peu éléments graphiques, vous allez pouvoir venir les superposer. D'accord? Donc là, par exemple, ici, je vais jouer avec la position et je vais venir mettre mes petits cœurs ici. Et puis là, je vois que j'ai même la possibilité de changer la couleur de mon élément. Donc je vais les passer en blanc. Hop! Mes autres petits cœurs ici. Donc là, je vais l'agrandir. Et puis j'aimerais bien que ça soit aligné sur cette photo. Donc je vais venir saisir mon angle pour simplement la rogner et la couper sur le côté. Hop! Je vais venir mettre cet élément-là. Je vais mettre en avant-plan.
Ça, je vais le déplacer pour le moment, je vais voir où je vais le mettre. Ici, je reviens un petit peu en haut et en bas, ça sert à rien d'avoir autant d'espace, super. Hop. Là, je vais mettre ma petite salle de yoga. Mon petit élément ici, moi, je vais pouvoir venir le mettre là. Là, vous voyez, vous pouvez vraiment jouer sur les superpositions d'éléments, sur la taille des éléments. Il n'y a vraiment aucune règle. Là, je me rends compte, en fait, que, donc soit je vais grandir la taille de mes éléments, soit je me dis, oh, ben, il manque un petit peu des choses quand même sur mon vision board, donc je vais pouvoir encore le compléter. Donc je peux tout à fait retourner sur Pinterest et chercher de nouvelles images. Sur cette partie-là, c'est un peu tout tristouné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur en fait de fond à ma page. Je vais descendre un petit peu et ici, ils vont me proposer des couleurs qui sont utilisées sur mes photos. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un univers harmonieux. Donc je vais prendre ça par exemple, c'est quasiment le même fond, c'est top. Et je vais faire pareil avec mon texte. Je vais prendre une couleur qui est un petit peu sur mes photos pour que voilà, ça soit un petit peu plus harmonieux. Voilà donc notre vision board qui vient d'être terminé. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est très très simple à faire. Une fois que vous l'avez fini, il vous suffit de cliquer sur partager et là vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez pouvoir le télécharger notamment au format PDF si vous souhaitez l'imprimer pour ensuite l'afficher quelque part. Donc vous pouvez l'imprimer en PDF standard et vous le téléchargez. Ou bien vous pouvez le télécharger au format PNG, pouvoir l'utiliser en fond d'écran de votre ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé au format PNG, vous pouvez donc le sélectionner et ensuite tout va dépendre de votre ordinateur. Sur Mac, il vous suffit de faire un clic droit et puis de cliquer sur choisir comme image de bureau et ensuite vous aurez donc votre vision board qui vient se mettre sur votre fond d'écran de bureau. C'est vraiment trop joli, c'est génial. Dernière chose, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir l'utiliser en fond d'écran de téléphone. Si vous avez la version Pro de Canva, il vous suffit de cliquer sur redimensionner ou transformer. Vous tapez ensuite fond d'écran et vous cliquez sur fond d'écran de téléphone. Et ici, vous lui demandez donc bien de copier et redimensionner. Ou bien, si vous avez la version gratuite de Canva, eh bien c'est tout à fait possible. Vous allez simplement créer un nouveau design. Vous allez choisir fond d'écran de téléphone. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec votre souris, vous maintenez votre souris enfoncée et vous sélectionnez tous les éléments qui se trouvent sur votre vision board. Vous faites un CTRL-C et vous venez faire un CTRL-V au niveau de votre fond d'écran de téléphone. Et ensuite, il faudra simplement réorganiser vos éléments sur ce nouveau format. Donc là, il s'agit simplement de redimensionner les éléments pour avoir votre vision board au format téléphone. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Vous verrez, même en ayant la version pro de Canva et en le redimensionnant, ça gardera cet aspect-là, ce look-là. Donc il faudra également déplacer vos éléments et les redimensionner. Ensuite, vous pourrez télécharger votre création au format téléphone. Vous pouvez vous l'envoyer sur votre téléphone et ensuite, il vous suffit de le définir en fond d'écran de votre téléphone pour avoir votre vision board toujours sous vos yeux. Voilà donc ce tutoriel pour la création de votre vision board de façon digitalisée grâce à Canva et Pinterest. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura plu et vous permettra de créer le vision board qui vous permettra de réaliser la vision de vos rêves. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.